Nous sommes ravis avec les amis du Quator de venir jouer pour vous au Havre en cette journée, puisqu'il y aura un deuxième concert à 18h. Sans rentrer trop dans le détail pour parler un petit peu de cet instrument que vous connaissez probablement, le saxophone, mais donc vous ne connaissez peut-être pas la famille entière. Vous avez ici quatre instruments de la famille d'Adolphe Sax. C'est un instrument qui est né en 1846, donc qui est relativement récent dans l'histoire de la musique. Et l'histoire du quatuor est en fait débute pratiquement au même moment que son invention, puisque les premiers quatuors sont apparus fin du 19e siècle. La majeure partie ensuite du répertoire pour quatuor va être suscitée par un grand saxophoniste qui s'appelait Marcel Mull. Et nous allons débuter avec un des fleurons de notre répertoire, qui est l'Andante et Scherzo d'Eugène Goza. Alors Eugène Goza, vous ne connaissez probablement pas. C'était un compositeur français, violoniste, chef d'orchestre, compositeur évidemment, qui a eu le Grand Prix de Rome, et qui à cette occasion a pu croiser un certain Honegger à Villa Medici de Rome. Donc ce quatuor se compose de deux mouvements, l'Andante et le Scherzo. Voilà, qui n'est pas sans rappeler la musique française, début 20e, vous entendrez peut-être un petit peu de couleur forêenne, rabelienne, voire debussiste. Bonne écoute. Thank you.
la partie communiste, bien sûr. Mais lui, il a toujours trouvé les moyens pour proposer quand même, on peut dire, assez dans son propre style à lui, sans faire trop de concessions. On l'entend très bien dans cette pièce la numéro 7. Elle rappelle pas mal de choses un peu tristes, on peut dire. Il y a sa femme qui est morte, et donc il dédie le deuxième mouvement, le mouvement lent, à sa femme. Voilà, vous allez voir ça. Ça ne sera peut-être pas si mal que je vous dise quels instruments on a. On a d'abord, ça, c'est vraiment un saxophone. Les gens ne croient pas. Ils pensent que c'est une clarinette, mais non, c'est un vrai saxophone. Un saxophone soprano. Voilà, donc le plus aigu de la famille que vous voyez aujourd'hui. Un saxophone ténor. Voilà. Un saxophone alto. Et parce que j'ai des muscles très fortes, je porte un saxophone baryton. Voilà, donc. Le quatuor numéro 7 de Dimitri Shostakovich. Thank you.
Alors après ce détour par la Russie, nous retournons en France avec une transcription, là encore, par contre, d'une pièce de Maurice Ravel. C'est sa seule pièce écrite pour chœur a cappella. Ça s'appelle « Trois chansons » qui sont écrites sous forme de comptines, donc avec un texte et une musique qui peut paraître enfantine, mais Maurice Ravel a écrit en 1915, il avait 40 ans, il était en attente d'être incorporé dans l'armée pendant la Première Guerre mondiale, et pour conjurer un peu sa peur de la mort, les textes sont assez macabres, je ne vous en donnerai pas le détail. Voilà, donc sous des dehors d'une musique légère, on a parfois des côtés un peu grinçants malgré tout, et donc c'est en trois mouvements, Nicolette, avec une histoire de loup, comme le grand méchant loup, ensuite trois beaux oiseaux du paradis, et pour finir, une ronde. Thank you.
Maintenant, dans la lignée de cette dernière ronde que vous avez entendue, de Maurice Ravel, nous allons continuer avec de la musique un petit peu plus légère, on va dire, et passer en Italie maintenant, avec Rossini, qui était un compositeur du 19e siècle et surtout connu pour ses opéras, nombreux, variés, gais. Et donc là-dedans, on va vous proposer avec cette pièce une espèce de medley, vous allez reconnaître sans doute certains, la plupart des mélomanes dans cette salle. Non dans l'ordre, bien entendu, comme ça on vous fera un petit quiz à la fin pour savoir si vous avez entendu ça. Le barbier de Séville, l'italienne à Alger. La pivoleuse également, exactement. Notamment la danza aussi, forcément en opéra, mais que vous retrouverez au milieu. Donc du coup, voilà, ça pêle-mêle un petit peu, tout enchaîné du début à la fin. Bonne écoute. Thank you.
avec un peu de musique contemporaine, mais n'ayez pas peur.
La musique contemporaine englobe énormément de styles, c'est très très varié. Et là, on va plutôt vous jouer de la musique dite minimaliste. Donc en fait, un des pionniers de cette musique, c'est l'américain Steve Reich, que vous connaissez peut-être. Cette pièce date de 1980, et c'est un de ses tubes, très clairement. Donc en fait, la musique minimaliste, une musique répétitive, vous allez voir, c'est assez facile à comprendre. Hein. Ce sont des petites cellules, des bouts de thèmes qui sont mis en musique de façon très très simple, mais déphasée. Donc c'est ce qu'il appelle le phasing, le déphasage, on dit. Vous allez très vite comprendre en quoi ça consiste. Et en fait, à l'origine, c'est écrit pour 11 clarinettistes, je crois, un instrumentiste principal. Et il y a une multitude de transcriptions, en fait, des versions pour guitare électrique, pour saxophone, vous allez voir. Donc en fait, vous allez entendre 11 saxophones qui seront diffusés par les enceintes qui sont derrière, et le répertoire principal qui va se mélanger dans tout ça. New York Counterpoint, donc c'est en trois mouvements, on verra distincts, mais fondus, enchaînés. Je voulais en profiter, puisque c'est la dernière pièce, pour remercier chaleureusement le Conservatoire du Havre, monsieur le directeur Patrick Bacot, Emmanuel aux Lumières, que vous pouvez applaudir. Merci Emmanuel. Jean-Jacques au son, très important. Il est caché, mais il travaille dans l'ombre, là, derrière. Et pour vous dire, oui, à titre personnel, qu'on est très heureux, évidemment, de pouvoir jouer voir, d'autant plus qu'avec le jeune homme que vous voyez là, Urban Perron, nous avons brûlé nos premières planches au Conservatoire du Havre, il y a bientôt 30 ans. Ça ne me rajeunit pas, à l'époque rue Flore, pour ceux qui connaissent, avec notre ami et collègue Anthony Laplace, qui est peut-être dans la salle aujourd'hui. Et voilà, ça fait plaisir de revenir jouer voir 30 ans plus tard. Oui, ça dure combien de temps? Ça dépend. Alors, 11, 12 minutes, et tout ça. C'était Jean-Jacques. Steve Reich, New York, Counterpoint. Thank you.
Thank you.